après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce qu'on veut, mais impossible de se passer de poudre insecticide. C'est clair. Bézahé Landin, Sriva Pesagar, Chom et Bimpi Joulouzou de la Rahouen, Nelki. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises. Jusque sur le piano. J'ai choisi comme sujet de la conférence de ce jour le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Andrew Garrard, but une non but. Je suis fumeur moi-même. Oh, mais abusé, but une d'inhibé. Hein. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Et Ursa de Zrodin, associé d'Azor Taganti, hein. Le tabac. Eh bien, va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Dis-moi, Eve, tu veux le poche d'une souquine. Et quant à vous, messieurs, monsieur, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, il pourrait nous en cuire. Hier soir, entre autres, je devais ramener de la farine et du beurre à la cuisinière. Parce qu'on avait décidé de faire des crêpes. Et moi, une bargue pour chasse bleue d'agamande d'agéguinière et c'est... Et un arrivée au bar, quand pose la laine. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes aussitôt prêtes, ma femme n'aura plus qu'à la cuisine. Et nous annonce que trois de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Ils avaient les glandes enflées. Prends goût ou leur paquet. Mais nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Pétard par grand temps. Ma femme m'a d'abord ordonné de les porter à la cave. Cassonné au daraf. Né de Zavar et de Vagric. Mais après avoir mûrement réfléchi, vous avez bien un Jean-Jacques de Pélaguire. Elle m'a dit, t'as qu'à aller manger toi-même, épouvantail. Dremane, on a une entente spuntail. C'est comme ça qu'elle m'appelle quand elle est en colère. Épouvantail ou vipère ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Mais t'as un vieux cas sans Dieu, vous savez. Ma femme est toujours de mauvaise humeur. Nos ailes sont organties. Ces crêpes. Je ne les ai pas mangés. Mais qui très bien, moi, monsieur. Je les ai avalés sans les mâcher. Nunca leo. Et choca d'une distara. Mais c'est que je suis toujours affamé. Hein. Mais avec un tao d'almat ganan. Hier, par exemple, j'ai été privé de dîner. Espèce d'imbécile, pas la peine de te mourir. T'es ton mémoire, le kim de Rolfwood. Mais à force de discuter, nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Abadom, ami et aide à ça, il y avait un tâche là, la darin. Mais poursuivons. Je suis sûr que
Vous préféreriez écouter une romance, une quelconque symphonie, un air d'opéra? Pérotique. Guir Bretelette, d'Argalon Varzao, d'Argon Aguin, d'Arbrezorbro, Ade. Oh, là, mais ça vient. Non, qui est Pio. Pio, nous lui disait d'Aplateux. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai oublié de vous dire. À l'école de ma femme, en plus de l'économat de la pension, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de l'histoire, de la géographie, du solfège, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, de la littérature, et ça, sans compter le reste. Alors, pour ce qui est des leçons de chant, de danse et de dessin, ma femme réclame un supplément. Va Greg Houlen a. Allez, je veux peindre un Tom Kiro. Bien que ce soit moi qui assure, qui enseigne ces matières. Ça va, mais on va guérir notre conseiller. Mais à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Et puis, si vous voulez des prospectus de l'école, eh bien, vous en trouverez chez notre concierge à 30 copecs l'exemplaire. Prospectus et Gavor et tout l'en or. Très bonne bonne et longtemps. Je peux vous en céder quelques-uns si vous voulez. Hein? 30 copecs l'exemplaire. Très bonne bonne et gantam, néo kikir. Hein? Puis vous avez un. Ugen Gwenek. Ah! Bah, Egoise, assez. C'est bien regrettable. Quoi, mes filles? Pétagon de merde! Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles se mettent à rire. Mais Mandagoms grand tour du Varben Varan Galan! Dirol Varwarzin Arafen. Ma femme a eu sept filles. Non. Six, je crois. Je suis malheureux. Je suis plus qu'un pauvre imbécile, pitoyable, pour que Zen, en terre saute, trouvez-vous. Pour que Zginin, oui. Ah, mais vous avez devant vous le plus heureux des pères. Hein? Et bien, on dira, j'en entends le Wena, j'en remets. C'est comme ça que je devrais être. Et Mossé, il fait Bertrand. Et comment dire le contraire? Pénance d'avoir aidé à un troll. Ah, si vous saviez. Ma vraie fortune de Chris. Voilà 33 ans que je vis avec ma femme. Tribloise à Tregonso et mon loubé wagon va grec. Et pour ainsi dire, les meilleures années de ma vie. Dans la maradé, oui, oui. Ah, mais un peu mes soucoules, là, aux abus. C'est-à-dire pas les plus heureuses. Je ne suis plus qu'un pauvre vieillard, une nullité. Ton guinawa, pour qu'est-ce cause?
Mais je ne demande plus rien. Négoulin en être avec qui? Je suis au-dessus de tout ça. Dans l'oreille, me soisse. Elle plus pure que tout. Gagnerai et tout entre où c'est. J'ai été jeune. Je me croyais intelligent. Spéridine, père de rêverie à trop une ébène. J'allais à l'université. Bédé ce qu'on veut. Oui, je faisais des rêves. Je me croyais un homme. Mais il avait dit, Néon, ça prégoisse. Et bien maintenant, je ne demande plus rien. Nintra, béquille, ne me dis vraiment, foule Nintra. Si, juste un tout petit peu de repos. C'est un tout petit peu, juste de repos. Cusca d'un temps mis bien.